Richard Winters voit le jour un 21 janvier 1918 en Pennsylvanie et plus précisément à New Holland. Il grandit par la suite à Lancaster et entre plus tard à l'université Franklin & Marshall où il pratique différents sports tels que le foot, le basket ainsi que la lutte. Pourtant, il dut abandonner ses activités sportives comme scolaires pour se concentrer sur ses études et ses petits boulots qui lui permettent de financer ces dernières. Il obtient son diplôme en 1941 avec le plus haut niveau académique de l'école. Il effectue ensuite un an de service dans l'armée, écrivant plus tard dans ses mémoires qu'à l'époque, il n'avait aucun désir de participer à la guerre. Il s'engage donc le 25 août 1941 et réalise ses classes au camp Croft. Alors que son bataillon est déployé au Panama, lui reste sur place en tant qu'instructeur avant d'être sélectionné en 1942 pour intégrer une école d'officiers à Fort Benning. Il rencontre alors Lewis Nixon, qui deviendra son ami et avec qui il va servir pendant toute la guerre. Richard est nommé sous-lieutenant dans l'infanterie après l'obtention de son diplôme le 2 juillet 1942. En août de cette même année, il est muté au camp Tocoa dans les troupes de parachutistes qu'il avait découvert durant ses classes. Le voilà affecté à la Easy Company, au 2e bataillon dans le 506e régiment d'infanterie parachutée. Il est également nommé chef du 2e peloton de la compagnie qui, à cette époque, est commandé par le 1er lieutenant Herbert Sobel. Les deux hommes sont en opposition au niveau du caractère. Là où Sobel est détesté pour ses méthodes dures bien qu'efficaces, Winters gagne la sympathie et la confiance de ses hommes grâce à son professionnalisme et son humanité. Ce sérieux sera récompensé en octobre 1942, où il est promu 1er lieutenant. Après un entraînement tactique au Cormac Hall, lui et la 506e sont rattachés à la 101e division d'aéroportée, nommée les Aigles Hurlants. Plus tard dans l'année, il embarquera avec ses hommes sur le Samari et arrivera à Liverpool le 15 septembre 1943. Ils se rendent dès lors à Aldebourne pour commencer une nouvelle préparation plus intensive en vue de l'invasion alliée de l'Europe prévue en 1944. À partir de là, la tension monte entre Winters et Sobel. Le lieutenant s'inquiète sur la capacité de son supérieur à diriger cette compagnie au combat et Sobel tentera de le sanctionner sur de fausses accusations. Refusant de se laisser faire, Winters portera l'affaire en cour martiale qui annulera la sanction. Mais Sobel n'en reste guère là, bien au contraire. L'homme l'accuse de nouveau et Richard se voit muté à la compagnie du quartier général où il est nommé officier du mess. Cette mise à l'écart et les insuffisances de Sobel en situation de combat passe mal auprès des sous-officiers. Ils écrivent alors une lettre au colonel Robert Sink, commandant de la 506e, qui aura pour conséquence de lui faire prendre conscience des lacunes de Sobel. Ce dernier est maintenant transféré et remplacé par le lieutenant Thomas Meehan. Richard Winters est réintégré et placé à la tête du premier peloton, et tout se passera pour le mieux, jusqu'à l'opération Overlord. Durant la nuit du 5 au 6 juin, Winters et le reste de sa compagnie est parachuté en Normandie. Il atterrit à proximité de Sainte-Marie-du-Mont et ne possède aucune arme, ayant perdu la sienne au cours de sa chute. Il s'entoure alors de quelques hommes, dont William Garneret et Caroud Lipton, ainsi que des soldats de la 82e division. Ensemble, ils rejoignent le village au petit matin et sécurisent ses abords. Il apprend par la même occasion la disparition du lieutenant Meehan, dont l'avion fut abattu, faisant de lui le plus haut officier restant et de ce fait, le nouveau commandant de la Easy. Il sera par la suite chargé de détruire une batterie allemande qui empêche la progression du débarquement sur Utah Beach. Avec son unité, il mène une attaque efficace et neutralise les canons en plus de mettre la main sur une carte qui détaille les emplacements des armes allemandes dans le secteur. Il participe également à la libération de Carentan où il se blesse à la jambe à cause d'un éclat de balle. À la fin de ce premier jour de bataille, Richard Winters est promu capitaine et fut recommandé pour la médaille d'honneur en récompense de son accès au manoir de Brécourt. Il recevra néanmoins la deuxième plus haute distinction, la croix pour service distingué. Il retournera ensuite en Angleterre avec le reste de la 506e pour une période de repos et de réorganisation. Avec la compagnie E, Richard Winters est parachuté aux Pays-Bas dans le cadre de l'opération Market Garden. Les combats sont rudes à Nuenen et le capitaine sera présent à la libération de Eindhoven, mais qui sera encore soumis aux bombardements et aux attaques terrestres des Allemands. Quelques jours plus tard,
une patrouille de l'AZ revient au QG avec des blessés, indiquant qu'ils ont croisé la route d'un groupe important d'Allemands à un croisement situé à l'est du poste de commandement. Ni une ni deux, Winter se forme une escouade en réalisant la gravité de la situation, et ils y partent sans attendre en direction du dit carrefour. D'ici, ils observent une mitrailleuse allemande qui tire en direction du quartier général du bataillon. Après ce moment de surveillance, Winters mène l'escouade à l'assaut, et peu de temps après s'être emparé de la position, ils se font tirer dessus. Winters ne tarde pas à appeler le reste du premier peloton en renfort, avant de contre-attaquer et faire face à pas moins de 300 Allemands. Ils tiennent alors bon jusqu'au bout, et suite à cette action, Richard deviendra commandant en second du 2e bataillon. Le régiment sera envoyé en Belgique pour faire face à la contre-offensive lancée par les Allemands le 16 décembre 1944. Commence alors la bataille des Ardennes, dans laquelle Richard Winters dirige les trois compagnies du 2e bataillon. Il doit alors composer avec l'enfer glacial, un orage mécanique incessant, mais aussi avec l'incompétence du nouveau commandant de la Easy, Norman Dyke. Après plusieurs semaines de combats statiques en lisière du bois Jacques, le 2e bataillon se voit chargé de s'emparer de Foy. Winters désigne en meneur d'assaut la Easy, qui sera bien vite coincée à cause du lieutenant Dyke, qui se révèle incapable de mener les troupes. Winters prend alors la décision de le remplacer par le lieutenant Spears, qui reprend la situation en main. Feuille retombe entre les mains des alliés, et la 506e est transférée à Haguenau, où Dick Winters est promu major, en plus d'être nommé commandant du bataillon. En avril 1945, Winters et son régiment effectuent des missions le long du Rhin, pour finalement se déployer en Bavière. En début mai, ils recevront l'ordre de prendre Berchtesgaden, et de s'emparer du Nidaigle avant de s'installer à Zell am See, faisant partie des troupes d'occupation d'Autriche. Bien qu'il ait la possibilité de revenir aux États-Unis, Winters se porte volontaire pour servir sur le front du Pacifique. Cependant, on le juge indispensable auprès de ses hommes et il reste donc rattaché à la 506e où il supervise le processus de démobilisation des troupes. Il reviendra finalement en Amérique où il reste en congé de fin de campagne jusqu'au 22 janvier 1946. Il acceptera de travailler pour son ami Lewis Nixon dans son entreprise familiale, la Nixon Nitration Works, devenant le directeur général en 1950. En 1948, il épouse Ethel Estopay avec qui il aura deux enfants, et en juin 1951, il sera appelé à reprendre du service pour la guerre de Corée. Mais ne souhaitant aucunement revivre ce genre d'horreur, il s'arrange auprès du général McAuliffe pour ne pas être déployé. Son expérience du commandement sera alors mise au service de l'armée. Il se porte ensuite volontaire pour la Ranger School et devient de ce fait Ranger, avant de rejoindre Seattle. Là, on lui donne la possibilité de résigner sa commission et il accepte, quittant définitivement l'armée pour revenir auprès de sa famille installée dans une ferme en Pennsylvanie. Le major Richard D. Winters meurt à l'âge de 92 ans en 2011, après une vie chargée. Un mémorial sera dressé en son nom à Sainte-Marie-du-Mont, à proximité du manoir de Brécourt. Même si la statue est à son visage, Winters insiste pour que ce dernier représente et rend hommage à l'ensemble des hommes ayant donné leur vie pour ce débarquement. Ses actions seront inscrites par Stephen Ambrose dans Band of Brothers, avant d'être représentées dans la série télévisée portant le même nom. Nous arrivons à la fin de ce premier portrait consacré au major Richard Winters. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager cette vidéo. Restez curieux et surtout, n'oubliez pas, l'histoire est un perpétuel recommencement. À très vite, sur Frères d'Armes.